Welcome to Christian International Outreach Ministries, a house of prayer for all nations, where the love, the presence, and the power of God are real. Your life will be mightily blessed by the anointing of God flowing through the following message. Beloved, we are in a new series. Bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle série. Rebuilding. Rebâtir. Rebuilding. Rebâtir. And we are learning from the life and the commitment of Nehemiah. Et nous apprenons de la vie et de l'engagement de Néhémie. He decided to be an instrument in the hand of God. Il a décidé d'être un instrument entre les mains de Dieu. To make a change in his Jerusalem. Pour emmener le changement dans Jérusalem. Last Sunday, le dimanche dernier, we saw the steps he took. Nous avons vu les étapes qu'il a prises. The first one, he went to God. La première, il est allé vers Dieu. Beloved, nothing will happen. Bien-aimé, rien ne peut arriver. Nothing will change. Rien ne pourra changer. If God is not involved in the work of rebuilding. Si le Seigneur ne s'implique pas dans le travail de reconstruction. Amen. Amen. A human being. Un homme. Is not able. N'est pas capable. To rebuild. De reconstruire. What was destroyed. Ce qui était détruit. When he went to God. Quand il est allé à Dieu. We discover. Nous avons découvert. Spending time with God que passer du temps avec Dieu gave him the wisdom. Lui donna la sagesse. What to say? Quoi dire? To who? À qui? When? Quand? Spending time with God passer du temps avec Dieu opened his eyes a ouvert ses yeux to opportunities aux opportunités God will bring your way. Que Dieu a emmené sur son chemin. Spending time with God passer du temps avec Dieu has taught him l'a enseigné to wait d'attendre until you see God moving, then you move. Jusqu'à voir Dieu bouger et vous bouger avec lui. Spending time with God passer le temps avec Dieu has taught him l'a enseigné. You do not lean on your own understanding. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre propre compréhension. You depend on God. Vous dépendez de Dieu. Even if the time is not hurrying enough, you still see trouble and problems in your Jerusalem. Même si les temps ne sont pas propices et que vous continuez à avoir des troubles dans votre Jérusalem. Wait on the Lord. Attendez. Because when what you do not see parce que lorsque vous ne voyez pas is that God is working. Ça veut dire que Dieu travaille. He is setting things in place. Il met en place les choses. Bringing people to you. Emmène des personnes vers toi. Who will be a blessing for you. Ceux qui seront des bénédictions pour toi. Who will empower you. Ceux qui vont te donner de la force. Waiting on the Lord. S'attendre à Dieu is very important. Est très important. Spending time with God passer du temps avec Dieu gave Nehemiah a donné à Néhémie the most important key and tool he needed. La chose la plus importante et les capacités dont il avait besoin. We discovered nous avons vu it was because of the gracious hand of God upon his life. C'était à cause de la grâce de Dieu sur sa vie. The hand of God la main de Dieu upon his life sur sa vie made the difference. A fait la différence. Beloved, bien-aimé, second step. Deuxième étape. He went to Jerusalem. Il est allé à Jérusalem. We saw that you have to ask God. Nous you have to ask nous devons demander à Dieu to bring you to your Jerusalem, de nous ramener vers notre Jérusalem, to your family, dans notre famille, to the realities of your family, dans les réalités de nos familles. When he got to Jerusalem, quand il est arrivé à Jérusalem, the first thing he did, la première chose qu'il a faite, step number three, troisième étape, he did an
honest assessment of the situation. Il a fait un l'inspection des lieux. Amen. Today, aujourd'hui, we will dig a little bit on that assessment. Nous allons nous attarder un peu sur ce sur cette étape, sur cette inspection. And then we'll see how we got ready to rebuild. Et nous verrons comment nous devenons prêts pour la reconstruction. And probably stop there. Probably stop there today. Et nous allons certainement nous arrêter là aujourd'hui. And by God's grace, next Sunday we will see the work of rebuilding. Et par la grâce de Dieu, les dimanches prochains, nous allons voir le travail de reconstruction. Amen. Amen. Last Sunday, le dimanche dernier, we saw nous avons vu that it is important que c'est important to be aware, d'être averti, to know, de connaître, number one, the nature of the damages, la nature des dégâts, number two, deuxièmement, the depth of the damages, la profondeur des dégâts, because you cannot rebuild something you don't know, parce que vous ne pouvez pas reconstruire sur une chose que vous ne connaissez pas. In verse number 11, dans le verset 11, we saw that when he went, he came to Jerusalem. Nous avons vu que quand il est allé à Jérusalem, he spent 3 days. Il a passé 3 jours. Spoke to no one. Ne parlant à personne. Didn't say, "Oh, I came here. I have the king's resources. I'm going to rebuild." None of that. Ne disant pas la raison de son déplacement, de sa présence à Jérusalem, ni le mandat qu'il avait reçu. 3 days. Pendant 3 jours. Just him and God. Juste lui et Dieu. Inspecting the walls. Inspectant les dégâts. Day and night. Jour et nuit. He wanted to know exactly what happened, where, to what degree. Il voulait savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, où et à quel niveau. Amen. Amen. Very important. Très important. That shows you the man did not take things lightly. Ça vous montre comment l'homme Néhémie ne prenait pas les choses à la légère. He was very serious. Il était très sérieux. Amen. Amen. He invested in the time of inspecting. Il a investi dans le temps d'inspection. Making an assessment. En train d'inspecter. Why? Pourquoi? Because at the root cause, at the origin, parce que à l'origine, it was sin, c'était lui, that opened door, qui a ouvert les portes, sin, le péché, that opened doors, qui a ouvert les portes, to the destruction of the wall, à toute cette cette destruction, of the walls, des murs. And we saw last Sunday, et nous avons vu le dimanche dernier, all sins are sin before God. Tout péché est un péché devant Dieu. But all sins, mais tous les péchés, do not produce the same result, ne produisent pas les mêmes résultats, in the life of people, dans la vie des gens, in the families, dans les familles, and in society, et dans la société. Amen. Amen. Beloved, bien-aimé, your Jerusalem, votre Jérusalem, is like a landing zone. You know when the plane is flying, it needs a place to land. Et comme un terrain d'atterrissage. There are things there. Il y a des choses autour. They don't depend on the pilot or on the plane. Qui ne dépendent pas du pilote ni même de l'avion. People on the ground. Mais des gens au sol. If they are serious, s'ils sont sérieux, they have prepared a landing zone, ils vont préparer l'espace d'atterrissage, that will make the landing smooth and agreeable and enjoyable, qui rendra l'atterrissage doux et agréable. If they are neglectful, s'ils sont négligents, or if they want to do something to destroy you, et s'ils veulent faire quelque chose pour vous distraire, your landing zone, votre terrain d'atterrissage, is no, you have no control on that. Vous n'avez aucun contrôle. Beloved, bien-aimé, we have seen last Sunday, nous avons vu le dimanche dernier, that specific sins, qu'il y a des péchés spécifiques, can destroy, qui peuvent détruire, specific areas of life, des niveaux différents de la vie, in a family, dans les familles.
And when you are born in that family, et lorsque vous êtes né dans cette famille, it's just like you landed there in that landing zone. C'est comme si vous atterrissez sur ce terrain. You will be affected. Vous serez affecté. By what happened there before you. Par ce qui s'est passé avant vous. We saw the example of King David. Nous avons vu l'exemple du roi David. Because of his sin with Bathsheba. À cause de son péché avec Bathsheba. He opened the door. Il a ouvert la porte. To destroying his own family. Pour détruire sa propre famille. Amen. Amen. Sexual immorality. L'immoralité sexuelle is one of the sins est l'un des péchés that will destroy a family. Qui détruit les familles. And also bring in seeds into the kids. Et également qui emmène des semences dans les enfants. And those seeds will see and seek the next generation and go to the next generation. Ces semences vont se transmettre dans les générations futures. So it is very important. C'est pourquoi il est très important to make an assessment de faire une inspection of the walls sur les murs of your Jerusalem. De votre Jérusalem. That will show you cela vous montrera what you have to do. Ce que vous avez à faire. Amen. Amen. Because some damages, parce que certains dégâts, they are outside of you. Ne dépendent pas de vous. But some other damages, certaines autres, they are seeds inherited because where you were born. Viennent d'un héritage d'où vous êtes né. And you have to do something about it. Et vous devez faire quelque chose à ce sujet. We also saw, nous avons également vu, the sin of spilling blood. Le péché lié au fait de verser le sang. Will cost you. Ça vous coûtera. Will destroy a family. Ça détruira les familles. Amen. Amen. Today, aujourd'hui, we will see one example. Nous allons voir un exemple. And ask God. Et demander à Dieu. To help us. De nous aider. Because after you do the assessment, parce qu'après avoir fait l'inspection, you have to do something. Vous devez faire quelque chose. Number one, about your family. Premièrement, au sujet de vos familles. Number two, about yourself. Deuxièmement, au sujet de vous-même. So that the hand of God, ainsi la main de Dieu, will come first in your life. Viendra premièrement dans votre vie. Then you'll be able to call the other people. Et ainsi vous serez en mesure d'attirer les autres. Like Nehemiah did. Comme Néhémie l'a fait. After the assessment. Après l'inspection. Then he called the elders. Après, il a appelé les anciens. And he told them. Et il leur a dit. See the situation. Regardez la situation. Now, verse number 11, 17. Let's go back to Nehemiah 2. Néhémie chapitre 2, verset 17. And 18. Let's read that. Je leur dis alors. Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. So, when he called the elders, ainsi, lorsqu'il a appelé les anciens, after he understood what happened, après avoir compris ce qui s'était réellement passé, he told them, "See, we live in shame. We are in shame." Il leur dit, regardez la honte dans laquelle nous sommes. The walls are destroyed. Les murs sont détruits. Come, venez. Let's rebuild. Et reconstruisons. Let's rebuild. Reconstruisons. And then he told them, "This is what the hand of God has done in my life." Et il leur dit ce que la main de Dieu avait fait dans sa vie. When they saw the evidence of the work of God in his life, lorsqu'ils ont vu les évidences de la main de Dieu dans sa vie, they believed. Ils ont cru. We can rebuild. Et ils ont cru qu'ils pouvaient construire. They joined him. Ils ont joint and they committed to rebuild. Et ils se sont engagés à construire.
Beloved, bien-aimé, it is very important, c'est très important, that the hand of God, que la main de Dieu, works in you first. Travaille en vous d'abord. Then you will stand. Ainsi vous allez vous lever. And call your people in your Jerusalem. Appelez ceux qui vous ont chers dans votre Jérusalem. They will follow you. Ils vont vous suivre. They will believe. Ils vont croire. Because they see. À cause de ce qu'ils verront. What God has done in you. Ce que Dieu a fait dans votre cœur. Hallelujah. Hallelujah. It is very important. C'est très important. To make an honest assessment. De faire une inspection honnête et sérieuse. And do something about it. Et faire quelque chose à ce sujet. Before you call people and start rebuilding. Avant d'appeler les autres. Amen. 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 Come on, let's give the Lord a clap offering. Clapons pour le Seigneur. Hallelujah. 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 Open your Bible with me. We'll see one example today. Ouvrez vos Bibles avec moi. Nous allons voir un exemple aujourd'hui. Let's go to Genesis chapter number 4. Allons dans Genèse au chapitre 4. 4. Genèse chapitre 4. This is the story of the first family. C'est l'histoire de la première famille. Family is a gift from God. La famille est un don de Dieu. There is nothing more important in life. Il n'y a rien de plus important dans la vie. Than the gift of family. Que le don de la famille. From God. Venant de Dieu. From God. Venant de Dieu. That's why. C'est pourquoi. The first thing the enemy came after. La première chose que l'ennemi a attaqué. Was family. C'était la famille. Family. La famille. He gotten in between Adam and Eve. Il est entré entre Adam et Ève. He wanted to cut them off from God. Il voulait les séparer de Dieu. And also cut them off from one to the other. Aussi les séparer l'un de l'autre. Because he wanted to kill and destroy the family. Parce qu'il voulait tuer et détruire les familles. I thank God for love. Je remercie le Seigneur pour l'amour. I thank God for love. Je remercie Dieu pour l'amour. The bond of love. La puissance de l'amour. The glue is like a bond. Les liens d'amour. Of love. Les liens d'amour. Is important. Sont très importants. You see, the enemy. Vous voyez, l'ennemi was able était capable to cut off Adam and Eve from God. De séparer Adam et Ève de Dieu. He was able. Il a été capable. God de le kicked faire. Them out. Dieu les a chassés du jardin. Because of sin. À cause du péché. He wanted to cut Eve from Adam. Mais il a également essayé de séparer Adam de Ève. You know why? Vous savez pourquoi? He wanted to kill, destroy both of them. Parce qu'il voulait tous les tuer. He waited when Eve was by herself. Il a attendu que Eve soit seule. To come and talk to her. Pour parler avec elle. And then when God came, et quand Dieu est arrivé, Adam said, "No, it's not me, it's her." Adam dit non, c'est pas moi, c'est Eve. When they got punished, mais quand Dieu a puni, the bond of love, les liens d'amour, between Eve and Adam, entre Adam et Eve, made it so that, a fait que l'on constate, Adam. Took his wife. A pris sa femme. They went to spend the punishment together. Ils sont allés assumer la punition ensemble. He didn't say, "Get out of here! You are the cause. Hey, I don't want to see you." No. They took his wife and they went to spend the punishment together. Il n'a pas chassé sa femme, l'accusant de tous les maux, mais il l'a prise avec elle. The bond of love. Les liens d'amour. Love in the family. L'amour dans les familles. Will cover. Couvrira. Love. L'amour will help you win the enemy. Vous aidera face à l'ennemi. Hallelujah. 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 That is the thing that the enemy came after. Et c'est ce que l'ennemi est venu rechercher. When he saw, quand il a vu, the man went with his wife. Le mari est quand même parti avec sa femme. Now they have kids. Et ils ont même eu des enfants. What am I going to do? C'est dit, que vais-je faire maintenant? He came looking for Cain.
He came il est venu vers looking Caïn. For the firstborn. Il est venu vers le premier fils. Beloved, bien-aimé, you and I, vous et moi, our family, nos familles, we have a real enemy. Nous avons un ennemi réel. That is seeking and looking where and who he will target. Qui cherche qui et quand il va toucher. Because he wants to destroy that, it's like your family is like a landing zone. Parce que il cherche à détruire cette famille, ce terrain d'atterrissage. He knows il sait your family que votre will not stop by you. Ne s'arrêtera pas par vous. No, there are generations that are coming. Il y a des générations à venir. He came looking for the firstborn. Et il est venu vers le premier-né. That's why c'est pourquoi when you do the assessment, quand vous faites l'inspection, you have to ask God, vous devez demander à Dieu, open your eyes, d'ouvrir vos yeux, on what the enemy has done, sur ce que l'ennemi a déjà fait, in the family, dans la famille. But also ask God, aussi demander à Dieu, to open your eyes, d'ouvrir vos yeux, on you, sur vous-même, because you can be, parce que vous pouvez être, because of your weaknesses, à cause de vos faiblesses, an open door, et les portes ouvertes, to destroy your own family. Celui qui vient pour détruire votre propre famille. When the enemy came, quand l'ennemi est venu, he gotten into Cain. Il est entré dans Caïn. Genesis 4. Genèse 4. Let's read verse number 3 and 4. Lisons le verset 3 et 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Continue. Next Mais verse. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouva ne le tua point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Let's stop there for now. Beloved. Bien-aimé. Anger. La colère. Jealousy. La jalousie. Bitterness. L'amertume. When they get into a family. Quand ça rentre dans les familles. No matter who. Peu importe. Parents. Les parents. Kids. Les enfants. Siblings. Les frères et sœurs. Anger. La colère. How come Cain was angry against his brother? Comment Caïn était-il en colère contre son frère? We don't see his brother doing anything against him. Nothing at all. Son frère n'a rien fait de mal contre lui. Just thoughts. Juste les pensées.
comparing himself to his brother. Se comparant lui-même à son frère. Comparing what God has done to his brother and to him. Se comparant ce que Dieu a fait dans la vie de son frère et dans sa propre vie. Beloved. Bien-aimé. It is a snare of the enemy. C'est un piège de l'ennemi. To put in your heart. De mettre dans votre cœur. Compare yourself to somebody else. Cet esprit de comparaison par rapport aux autres. Non. You cannot compare an apple and an orange. No. Vous ne pouvez pas comparer une pomme avec une orange. Each one has received the grace. Chacun de nous a reçu une grâce. In the case of Cain and Abel. Dans le cas de Caïn et Abel. One was a farmer. L'un était fermier. The other one. Et l'autre. Received the grace to raise livestock. L'autre a reçu la grâce d'être agriculteur. Yeah. So the parent taught them you have to be grateful. Et les parents leur enseignaient à être reconnaissants. Bring an offering to God. Emmener des offrandes à Dieu. Well, you do what they teach you to do. Ainsi, vous faites ce qu'on vous a appris à faire. Bring your offering to God. Emmener vos offrandes à Dieu. Based on the blessing you receive from God. Basé sur la bénédiction que vous avez reçue. How come you bringing your offering? Comment se fait-il vous emmener? And your eyes are all what did the other? Mais vous regardez sur l'offrande de l'autre. What is the offering of the other one? Combien what is the offering of the? Qu'est-ce que l'autre fait? Then your heart. Ainsi votre cœur. Is at the wrong place. Est à la mauvaise place. You do not appreciate what you received from God. Vous n'appréciez pas ce que vous avez reçu de Dieu. Your eyes are always on people. Then envy and jealousy can easily enter into you. Vos yeux sont toujours autour vers les autres. Ainsi, l'envie et la jalousie peuvent entrer dans votre cœur. Without you knowing it. Sans même que vous le réalisiez. You can become an instrument in the hand of the devil. Vous pouvez devenir un instrument entre les mains du diable. And kill. Et tuer. Even your own brothers. Même votre propre frère. Anger. La colère. Jealousy. La jalousie. Can produce bitterness. Peuvent produire des liens. Because the enemy is pumping lies into you. Parce que l'ennemi pompe des mensonges en vous. He takes your eyes. Il emmène vos yeux. Away from what you have received. Loin de l'essentiel, de ce que vous avez reçu. Looking at other people. Looking at other people. À tourner vos regards gauche à droite. Because of that. À cause de cela. He killed his brother. Il a tué son frère. Killed his brother. Il a tué son frère Abel. The enemy. L'ennemi. Destroyed that family. A détruit cette famille. Because from that day on. Parce qu'à partir de ce jour. Blessings left to him. La bénédiction l'a quitté. From that day on. À partir de ce jour. He fled. Il a fui. He had to go away. Il est parti loin. From that day on, ce jour-là, he lost. Il a perdu the blessing, la bénédiction of the firstborn, du premier-né, of the firstborn, du premier-né. Beloved, bien-aimé, you have to be very careful. Vous devez faire très attention, être très prudent. Like sexual immorality. Car l'immoralité sexuelle. Like sexual immorality. Comme l'immoralité sexuelle. That we have seen last Sunday. Que nous avons vu le dimanche dernier. Anger. La colère. Bitterness. L'amertume. Stays in somebody's heart. Reste dans le cœur de quelqu'un. But also produce seeds. Et produit des semences. That goes into the next generation. Qui se transmettent dans les générations futures. Go to the following generation. Dans les générations à venir. Amen. Amen. That man Cain. Cain. C'est pourquoi Caïn. You know he got married. Il s'est marié. He had a family. Il a eu une famille. Now you tell me. Maintenant dites-moi. If someone si quelqu'un is jealous of his own brother.
et jaloux de son propre frère. Killed his own brother. Tue son propre frère. You tell me that man will trust his wife. Est-ce que cet homme croit en sa femme? He will trust his wife when he killed his own brother. S'il est prêt à tuer son propre frère. No. 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 Now what about his kids? Et qu'en est-il de ses enfants? What environment will they grow up in? Dans quel environnement vont-ils grandir? You know, everything you do as parents. Tout ce que vous faites comme parents. Your kids copy. Vos enfants les copient. Just copy and paste in their own life. Exactement, ils font du copier-coller. Copy and paste. Copy and paste. Ils font du copier-coller. Someone who's able to kill his own brother. Une personne qui est capable de tuer son frère. He will beat that lady unmercifully if something happened between them. Et si quelque chose arrive, il va tuer sa femme. He will slap the child and the il child is lands outside the house. One slap and you land outside the house. Les enfants vont s'enfuir de la maison. Anger. La colère. Bitterness. L'amertume. Will get into those kids. Entreront dans ces enfants. And it will follow. Et ça va poursuivre. The sad thing about it. La chose triste à ce sujet. Kids. Les enfants. Are always better than the parents. Font toujours mieux que ce que les parents font. In everything. In everything. Dans chaque chose. In everything. Toute chose, your kids vos will be better than you. Seront meilleurs que vous. Better than you. Meilleurs que vous. And it goes generation after generation. Et ça évolue comme ça, génération après génération. Sometimes the seed is just dormant. You don't see it work. Des fois, la semence est juste cachée. Vous ne la voyez pas. Because the situations are not right. Parce que les situations ne sont pas encore propices. And you think it has skipped some generation because you didn't see it work. Et vous pensez que ça a échappé, sauté certaines générations. But if you watch the bloodline. Mais si vous regardez l'arbre généalogique. Watch the bloodline. Vous poursuivez la ligne du sang. Watch the bloodline. Le lien de sang. Let's see. Let's read from verse number 17 to 25. We'll see the bloodline. What happened? Lisons dans le livre de Genèse au chapitre 4. We'll read 4. Verset 17 to 25. Jusqu'à 25. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehushael. Mehushael engendra Methushael. Et Methushael engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Sila, de son côté, enfanta du Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Sila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Caïn se vengea 7 fois et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme et enfantant un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Beloved, we see, bien-aimé, we see, nous avons vu, generations, les générations, the bloodline, le lien de sang, that came after Cain, qui sont venus après Caïn, after Cain, après Caïn, after Cain, après Caïn. It is in that bloodline,
C'est sur cette lignée de we sang. See one of his great grandson. Nous avons vu un de ses petits-fils. Verse number 19. Au verset 19. He was the first man. C'était le premier homme. To take two wives. À prendre deux femmes. Two wives. Deux femmes. Jealousy. La jalousie. You'll never be satisfied by what you have. Always looking, looking, looking. Vous n'êtes pas satisfait parce que vous avez, vous continuez à regarder aux alentours. And that seed went into the next generation. Et cette semence est allée dans la génération. The other generation. Et les générations après celle-là. Multiplied itself. Et s'est multiplié. Now he wants two. Maintenant il veut deux. Amen. If you're not satisfied with one, I wonder what will happen with two. Bien-aimé, si vous n'êtes pas satisfait avec une, comment est-ce que vous le serez avec deux? Things of this world. Les choses de ce monde. Even people. Même les personnes. Will not bring satisfaction in your life. N'emmèneront jamais la satisfaction dans votre vie. It is only God. Seul Dieu. And the love of God. Et son amour. In you. Dans vous. In you. Dans vous. In you. Envers vous. Ask King Solomon. Demandez à Salomon. I don't know how many wives. Je ne sais pas le nombre des femmes. How many concubines? Combien de concubines il a eu? Never satisfied. Jamais satisfait. That seed. Cette semence. Destroyed. La détruite. Not only he took two wives. Non seulement il a pris deux femmes. Cain. Caïn. Killed only one person. N'a tué qu'une personne. His brother. Son frère. That man. Mais cet homme. Killed two. A tué deux personnes. And then he says. Et il a dit. If Cain was avenged one time. Si Cain a été vengé une fois. That means the punishment that came upon his life. C'est-à-dire la punition qui est venue sur sa vie. Was exponential. Was exponential. It shows us the degree. Ça nous montre le degré of destruction. De la destruction. In that bloodline. Sur cette lignée de sang. The man did nothing. L'homme n'a rien fait. He was just born there. Il était juste né. He just landed there. Il a juste atterri là. Beloved. Bien-aimé. I pray. Je prie you and I, que toi et moi, we will seek God, nous allons rechercher le Seigneur and ask God, et demander à Dieu open our eyes, d'ouvrir nos yeux to do a real and honest assessment. Afin de faire une inspection honnête et sincère. Amen. Amen. God will reveal to you, Dieu va nous révéler if you are completely honest with him, si nous sommes sincères envers lui. He will see how serious you are. Il verra le sérieux. Amen. Amen. And what God shows you, et lorsque Dieu vous montre, you have to decide. Vous devez décider. Ask God's help. Demandez l'aide de Dieu. To do something about it. De faire quelque chose à ce sujet. Because if you read the book of Nehemiah, parce que si vous lisez le livre de Néhémie, the walls of Jerusalem. Les murs de Jérusalem were rebuilt, ont été reconstruits. Were rebuilt, ont été reconstruits. Were rebuilt. Ont été reconstruits. The shame was removed. L'opprobre a été éloigné. When he stood, when lorsqu'il he stood, s'est levé, and he said, "We have to do something about il it." Il s'est dit, nous devons faire quelque chose. I declare, je déclare, by the name of the Lord, par le nom de l'Éternel, shame in your family, la honte de votre famille, will be removed. Va quitter au nom. Will be removed. Va quitter. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Your family. Votre famille. They gave you names. Vous a donné un nom. Because of real problems that happened. À cause des problèmes réels qui se sont produits. They have affected you. Qui vous ont affecté. Maybe affecting your children now. Peut-être ça affecte vos enfants aujourd'hui. Stand by faith. Levez-vous par la foi. Stand by faith. Levez-vous par la foi. Come to God. Venez à Dieu. Come to God. Venez à Dieu. Ask the help of God. Demandez son aide. To him nothing shall be impossible. Car avec Dieu rien n'est impossible. He told the elders, come.
Il a appelé les anciens. Let's rebuild. Et leur a dit, bâtissons. And shame will be removed. Et la honte va quitter. They joined him. Ils l'ont joint. They joined him. Ils l'ont joint. Beloved. Bien-aimé. You also. Let me open a small parenthesis about laissez-moi anger. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. About anger. Au sujet de la colère. Anger. La colère. Is a weapon of choice. Est une arme de choix. Of the enemy. De l'ennemi. To enter a life. Enfin d'entrer dans une vie. Enter a family. Entrer dans une famille. And destroy it. Et détruire. You have to choose. Vous devez choisir. If you have a relative. Si vous avez des frères. Or you have a spouse. Vous avez un conjoint. That has that problem of anger. Qui a ce problème de colère. You choose. Choisissez. When they burst into anger. Quand la personne entre en colère. Like an explosion. Quand il explose de colère. You choose. Choisissez. It's like the enemy came and is knocking. C'est comme si l'ennemi était à la porte et qui frappait. If you open the door, si vous ouvrez, you destroy your family. Vous détruisez votre famille. But if the enemy come knocking, mais si l'ennemi vient et qu'il frappe, you do what Jesus did. Faites ce que Jésus a fait. Are you really a child of God? Êtes-vous réellement enfant de Dieu? Then you see those stones and then make bread and eat. You see those stones, make bread and eat. Quand le diable l'a tenté, tu vois cette pierre, transforme-la en pain et mange. Jesus. Jésus. Did not react. N'a pas réagi. What? I'm going to prove you I'm the child of God. Stones become bread. No. N'a pas dit au diable, je vais te prouver que je suis l'enfant de Dieu. Pierre, transformez-vous en pain. No. He took authority. Il a pris autorité. Kick the devil away from that place. Chasser le diable loin de lui. Amen. 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 When anger is knocking, quand la colère frappe, take authority. Prenez autorité. Use the bond of love. Utilisez les liens d'amour. Amen. Amen. You can win. Vous pouvez vaincre. With the Lord. Avec Dieu. With the Lord. Avec Dieu. You can close that door. Vous pouvez fermer cette porte. That the enemy is trying to open. Que l'ennemi s'efforce à ouvrir. To destroy your family. Pour détruire votre famille. Destroy your family. Pour détruire votre famille. Beloved. Bien-aimé. An honest assessment. Une inspection honnête. Will show you. Vous montrera. What you have to do. Ce que vous avez à faire. With the help of God. Avec l'aide de Dieu. Amen. 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 Our time is gone. Let me finish by this. Laissez-moi terminer par ceci. Watch your life. Examinez votre vie. Because not only your family is like a landing zone where you landed. Parce que non seulement votre famille est une zone d'atterrissage où vous avez atterri. But what you do today. Mais ce que vous faites aujourd'hui. What you say today. Ce que vous dites aujourd'hui. Is creating another landing zone. Ça crée également un autre terrain, une autre zone d'atterrissage. For people who are coming. Pour les personnes qui viennent. Learn. Apprenez. From the mistakes of the past. Des erreurs passées. And stand up. Et levez-vous. Proclaim the word of God. Proclamez la parole de Dieu. On your family. Sur votre famille. Proclaim the blessing of proclamez God. Proclamez la bénédiction de on Dieu. On your today. Sur votre on your présent. Today. On your today. Sur votre présent. This is what Eve did. C'est ce que Ève a fait. Verse number 25. Au verset 25. And 26, and we'll stop there. Et 26, nous lisons. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il s'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen.
Hallelujah. Amen. After suffering, après la souffrance, the loss of her son, de la perte de son fils, she cried for years. Elle a pleuré pendant des années. Because that son, parce que cet enfant, was the worshipper, était un adorateur. That son, cet enfant, was the man who heard your command once and went to do what you said to do for the Lord. Obéissait à ce qu'on lui disait de faire. Because that son, parce que cet enfant, that son, cet enfant, that son, cet enfant, that son, Abel. The grace and the mercy of God. La grâce et la miséricorde de Dieu. After many years. Après beaucoup d'années. Came back to visit them. Est revenue sur elle. And when she had another one. Et lorsqu'elle a eu un autre fils. She said. Elle a déclaré. She proclaimed. Elle a proclamé. On that son. Sur cet enfant. She said. Elle a dit. God. Dieu has appointed for me a envoyé sur moi another child, un autre enfant, in the place of Abel. À la place d'Abel. In other words, she said, "This one, elle a dit, celui-ci will be another worshipper. Sera un autre adorateur. This one, celui-ci will be the man that walks with God. Sera un homme qui marche. This man, cet homme, this man, cet homme, she proclaimed. Elle a proclamé the blessing of God. La bénédiction de Dieu upon that child. Sur cet enfant. What she said upon that child. Ce qu'elle a dit sur cet enfant. Set an atmosphere. A changé l'atmosphère. Hallelujah. 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 That seed that she proclaimed. Cette semence qu'elle a proclamée. Gotten into the child. Entrée dans l'enfant. The Bible says. La Bible dit. Verse number 26. Au verset 26. To Seth also was born. Seth eut aussi un fils. Read the whole thing, the whole. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. 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 Beloved. Bien-aimé. The seed that she planted. La semence qu'elle a plantée. By that declaration of faith. Par sa déclaration de foi. Into that child. Produce the next generation. A produit une génération suivante. For the first time. Qui pour la première fois. People began calling upon the Lord. A commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. People. Les gens. Not one person. Non seulement une personne. People. Les gens. The next generation. Les générations futures. That seed. Cette semence. Produced a people. A produit des gens. Whose heart were turned to the Lord. Dont les cœurs étaient tournés vers Dieu. Calling upon the Lord. Qui appelait, qui invoquait le nom calling de l'Éternel. Calling upon the Lord. Invoquait le nom while de l'Éternel. The other bloodline. Pourquoi l'autre lien de sang? While. Pendant que l'autre the lien other bloodline de sang. Was producing people once 2, 3, 4, 5 wives. Qui produisait des hommes avec 3, 4 femmes. And murderers and killers. Des meurtriers, des assassins. What she pronounced on her child. Lorsqu'elle a prononcé une parole sur son. By faith. Par la foi. Produced the very next generation. Ça produit une génération. People. Une génération des gens. Calling upon the Lord. Qui appelle, qui invoque le nom de l'Éternel. Beloved, bien-aimé, watch yourself. Watch yourself. Prenez soin de vous-même, prenez garde à vous-même. You have the opportunity. Vous avez l'opportunité. To sow a seed. De semer une semence. By faith. Par la foi. By the way you live. Par la façon dont vous vivez. By what you say. Par ce que vous dites. Based on the word of God. Basé sur la parole de Dieu. To your family. Sur votre famille. To your family. Sur votre famille. And your eyes. Et vos yeux. Will see. Verront.
I declare, je déclare, you will see the next generation. Vous verrez les générations futures. In the next generation, dans les générations, the result of your faith. Le résultat de votre foi. If today, si aujourd'hui, you believe in God, vous croyez en Dieu, you believe in God, vous croyez en Dieu, and you stand today, et vous vous levez, ask the help of God. Et demandez l'aide de Dieu. Ask the help of God. Demandez l'aide de Dieu. To turn the page. De tourner la page. On what happened to your landing zone. Sur ce qui s'est passé sur votre zone, piste d'atterrissage. Create today. Créez. Today. Créez aujourd'hui. By faith. Par la foi. A new landing zone. Un nouvel environnement. For the next generation. Pour les générations futures. Let's bow our heads and pray. Baissons nos têtes et prions. Thank you for listening. If you're visiting or live in the Washington, D.C. area, come worship with us. Thursdays at 7 p.m., Sundays 11:15 a.m. For prayer requests or a copy of this message, call 1-888-446-6522 or email us at cioministries@gmail.com. Christian International Outreach Ministries, the place to be.